La semaine passée, nous avons fêté les 4 ans de Home et Yves nous a partagé un message hyper inspirant sur la communauté. Il nous a dit « Home, c'est nous ». Et tout comme les disciples formaient une communauté de gens tellement disparates qui n'avaient pratiquement rien en commun, aujourd'hui, la vraie communauté telle que nous souhaitons le vivre à Home, c'est une communauté de gens qui se rassemblent et qui ne se ressemblent pas pour s'aimer les uns les autres et se servir les uns les autres. Je m'appelle Yann, je suis le MC ce matin et c'est une joie pour moi de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue où que vous soyez, qui que vous soyez en ligne ce matin, soyez les bienvenus. Vous avez la possibilité d'utiliser le code QR tout au long de la célébration ce matin et puis bien sûr le chat comme vous le faites tous les dimanches. C'est génial, c'est une des façons qu'on a de pouvoir aussi liker, apprécier et soutenir les personnes qui partagent la louange, etc. J'aimerais, juste avant d'introduire le temps de louange, vous partager un petit témoignage personnel, quelque chose de simple, mais je crois de puissant. Cela fait 25 ans que je souffre de vertige. Et croyez-moi, pour ceux qui me connaissent, c'est un vertige sévère. Ça fait des années que je traîne ça et c'est très difficile pour moi. Il y a plein de choses dont je dois me priver, plein de choses que je ne peux pas faire. Et cette semaine, je suis allé voir quelqu'un qui a prié pour moi. Et deux jours plus tard, je suis au 5e étage d'un immeuble en plein milieu de Lausanne. Et habituellement, je ne peux même pas m'approcher des baies vitrées. Et là, je m'avance et je vais jusqu'aux grandes baies vitrées. Je passe la tête par-dessus les barrières métalliques et je n'ai plus rien. Je ne ressens plus rien. Et en fait, à ce moment-là, toute ma peur s'était enlevée. Je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Dieu m'a guéri d'une souffrance physique que je vivais depuis plus de 25 ans. Et si je vous partage ça, c'est pour vous encourager, vous dire que Dieu n'est pas limité par le Covid. Et ce n'est pas parce que tout autour de nous est disrupté et que nos vies sont mises sur pause que Dieu n'est pas à l'œuvre pour agir dans nos vies. Et si je vous partage ça, c'est vraiment pour vous encourager, vous dire que c'est plus que jamais aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, que nous devons avoir soif de voir Dieu agir dans nos vies avec puissance. Alors attendons-nous à lui et attendons-nous à lui pour vivre quelque chose pour vivre le miraculeux dans le quotidien. Voilà, je vous souhaite un bon culte, soyez bénis. Bénis Dieu, mon âme.
Hey l'Église, c'est bon de pouvoir être avec vous de nouveau en digital, mais d'être avec vous aujourd'hui. J'ai la joie et la responsabilité de vous présenter Stéphane qui est juste à côté de moi. Je vais le faire dans un instant, mais juste revenir sur ce que Yann a partagé, son témoignage. Et j'ai envie juste de vous dire, si toi aussi, tu as une situation dans ta vie, que ce soit physique ou autre, tu veux qu'on prie pour toi, manque pas l'occasion, t'as entendu Dieu être encore à l'œuvre aujourd'hui. Ok, Stéphane avec moi, c'est lui qui va prêcher et c'est une joie, un privilège pour moi qu'il soit là. C'est un ami depuis plusieurs années maintenant, ça fait même avant qu'on parle d'église, de commencer les églises, c'est un ami de la famille d'abord, et puis c'est un homme qui m'a fait beaucoup rêver, qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir, qui m'a fait voyager aussi, et puis qui a aussi cru en nous, simplement, à un moment donné où nous-mêmes, on n'était pas forcément sûrs de croire en nous. Donc aujourd'hui, c'est une joie, c'est un privilège. Si vous étiez là, je vous demanderais de vous lever, de l'applaudir, de l'accueillir comme il se doit. Je vais laisser lui se présenter davantage s'il le veut, dans ce qu'il fait, dans qui il est. C'est aussi une inspiration parce qu'ils sont parents avec son épouse Inès de 4 enfants, donc ils comprennent ce par quoi on passe nous maintenant. Donc voilà, sans plus de mots, je vous laisse la place à Stéphane. Stéphane, merci d'être là, c'est vraiment une joie. Merci Yves. Merci à l'équipe de leadership. C'est une immense joie d'être ce matin avec vous. C'est une immense joie de pouvoir partager la parole. Dans Matthieu 9, au verset 37, la Bible nous dit, Jésus nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je viens d'un arrière-plan agricole et puis je crois que durant cette dernière année, il y a quelque chose qui m'a frappé souvent. C'est des agriculteurs qui ne pouvaient pas récolter leur moisson. J'ai vu des images d'agriculteurs qui avaient des champs remplis de tomates, mais à cause du lockdown, ils n'ont pas pu récolter les tomates. J'ai vu des gens qui avaient des arbres fruitiers, des magnifiques pommes, et ils n'ont pas pu récolter ces pommes parce qu'il n'y avait personne pour travailler, parce que les frontières étaient fermées, parce que les difficultés étaient là, comme on les connaît. Et je crois que c'est la même chose dans le monde spirituel. Je crois qu'il y a le cœur de Dieu qui a un projet pour l'humanité. Et d'une manière ou d'une autre, il y a comme des gens qui veulent découvrir Dieu, des gens qui le recherchent. Et je crois que le Père, il cherche des ouvriers. Et il doit être triste, comme à l'image de ces agriculteurs qui voyaient une année entière de travail être anéantie en quelques semaines parce que personne n'a pu récolter. Puis la tristesse qu'il y a, c'est que quand on ne récolte pas, aujourd'hui il y a des gens qui ont faim. Ces tomates qui ont dû pourrir, ces pommes qui sont pourries sur les arbres, ben aujourd'hui il y a des gens qui ont faim. Et je crois que c'est cet appel de dire que Dieu a un projet. Et ce matin, dans mon message, je crois que tout le monde, dans un sens, est dans une crise et dans une tourmente. Tout le monde aujourd'hui est un peu sous pression. Et peut-être pas seulement un peu. Pour certains, ils ont perdu leur emploi. Pour d'autres, ils ont perdu d'autres choses. Mais j'aimerais vous dire, en tant que peuple de Dieu, je crois qu'on a un challenge aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on va regarder à cette crise ou est-ce qu'on va regarder à ce que Dieu fait? Et j'aimerais vous dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Déjà dans le livre des Actes, on voit les disciples, quand l'Église est née, ce n'était pas la meilleure des positions. Imaginez-vous, les disciples, ils venaient de perdre le Christ. Il était crucifié sur une croix. On les a accusés. On a payé des gens pour les accuser qu'ils avaient volé le corps. Il y avait une tension énorme entre les Romains et les Juifs. Donc politiquement, c'était tendu. On voit que parmi eux, il y avait un traître. Donc ils n'arrivaient même pas à se faire confiance les deux, entre les disciples. Et puis en plus de ça, c'était des pêcheurs. Et ils se retrouvent à Jérusalem sans travail. Pêcher à Jérusalem, ce n'est pas le top comme métier. Il n'y a même pas de lac. Je viens vous dire que l'Église de Jésus-Christ, elle est née dans un contexte qui n'était pas si favorable que ça. Et pourtant, on voit dans les Actes, très rapidement,
on voit que les gens, il y avait l'enseignement des apôtres. Donc un enseignement qui disait pas « venez », mais un enseignement qui disait « allez ». Un enseignement qui allait à la rencontre des gens. On voyait qu'il y avait une communion fraternelle. Ils brisaient le pain entre eux. Ils mangeaient la scène. Ils priaient. Il y avait une passion. Et la Bible dit surtout que tous les jours, il y a des gens qui venaient à Jésus-Christ. Moi, je crois qu'aujourd'hui, malgré cette saison, je suis convaincu que oui, c'est vrai, on était un peu surprogrammés, mais sous-discipulés. Et nos programmes sont tombés à l'eau, mais c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Et tous les matins que l'on se lève, je vous encourage, vous pouvez regarder à la crise, au problème, ou vous pouvez regarder à la moisson, à ce que Dieu est en train de faire. En tout cas, moi, je vois une œuvre de Dieu, malgré cette situation. Et quand j'aimerais aller avec vous dans Luc 15, on connaît très bien ces textes. Luc 15, ça parle, et je vais lire versets 1 et 2. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant « Cet homme accueille les pêcheurs et mange avec eux ». Ben, c'est clair que pour les pharisiens puis les hommes de loi, ce n'était pas terrible. Les synagogues étaient vides parce que Jésus, il se promenait de village en village. Il rencontrait des gens au bureau de collecte d'impôts. Il allait manger chez les gens. Puis tous les gens suivaient Jésus. Puis la synagogue, le rassemblement, ils n'étaient plus là. Donc bien sûr qu'ils murmuraient. Bien sûr qu'ils n'étaient pas contents. Mais Jésus, il était en train de faire quelque chose. Jésus, il était en train de faire quelque chose d'un peu différemment. D'un peu différent de ce qu'on a eu l'habitude. Et je pense que durant cette année, on a dû renoncer à beaucoup de choses. On a dû arrêter beaucoup de choses. On a dû réfléchir à beaucoup de choses. Mais je pense que durant cette année, on a aussi pu voir des nouvelles choses naître. Des manières différentes se mettre en place. Des nouvelles manières de témoigner. Et je pense qu'il nous est important de regarder plus loin. Et je crois que Jésus, il a regardé plus loin. Quand il était avec les pêcheurs, il regardait au-delà de leur vie. Il regardait au-delà des gens. Et il était en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Il était en train d'innover, même de communiquer le message. Il le faisait partout. Il le faisait dans les maisons. Il le faisait au bord des rues. Il y avait des signes, des miracles. Il y avait des choses qui se passaient. Et je crois que l'innovation, c'est cette saison dans laquelle on est. Et plus que jamais, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on regarde aux défis présents, mais qu'il faut qu'on regarde à ce que Dieu veut faire et à ce que Dieu est en train de faire. Plus que jamais, c'est peut-être une opportunité pour l'Église de devenir meilleure, mais aussi pour nous de devenir meilleurs. Et peut-être plus que jamais, on doit être convaincu que Dieu n'arrête pas d'œuvrer. Et puis qui fait naître quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu. Je suis en contact avec des responsables de différentes églises en Europe. Et il y a tellement de gens qui disent que cette année, il y a des nouvelles choses qui ont démarré, qui jamais ils ont pensé pourraient prendre vie. Je crois que c'est la saison de l'innovation. Si on ne fait que de s'adapter, on va souffrir. Mais si on innove, si on se pose la question, qu'est-ce que les gens ont besoin demain? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Où est-ce que Dieu veut nous emmener? Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est intéressant parce que dans ce que je vous ai lu avant, il est dit que les gens, ils s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Il y a tout qui s'est arrêté. Il y a vraiment très peu d'activités à faire. Je crois que c'est une opportunité pour nous de s'arrêter et d'aller l'écouter. Parce qu'il veut te révéler à toi quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau. Il veut te parler.
Et je crois qu'il faut qu'on aille au pied de Jésus, il faut qu'on aille au pied du Père, aller écouter ce qu'il veut nous dire. Et pas seulement écouter, mais obéir. J'ai été frappé parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça passe vite, mais c'était Noël, et puis on parle de cette naissance du Christ. Et j'ai été frappé par Joseph. Quand tout le monde est venu adorer Jésus, il est dit que les bergers sont venus, les rois mages sont venus. Puis dans Matthieu chapitre 2, au verset 13, la Bible nous dit, au moment où les rois mages sont partis de Bethléem au bord de cette crèche, un ange du Seigneur est apparu à Joseph. Et cet ange lui a dit, « Lève-toi, prends le petit enfant, sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Moi, je crois qu'on a meilleur temps d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Imaginez-vous si Joseph, il n'avait pas écouté. Si Joseph n'était pas attentif, Jésus, le sauveur du monde, il a dû fuir. Et l'ange lui a parlé, puis la Bible nous dit la nuit même, non seulement il lui a parlé, mais la nuit même, Joseph, il a obéi. Et puis il lui a dit, va en Égypte. Déjà, ce n'était pas facile à trouver un logement à Bethléem. Mais imaginez-vous que vous devez partir avec votre famille en Égypte, un autre pays. Là-bas, ce n'est pas les Juifs qui habitaient. C'était par la foi. Mais s'il n'avait pas été, qu'est-ce qui serait arrivé? Et je crois que dans cette saison, le Seigneur, il nous invite à écouter. Et puis, ça ne fait pas toujours sens. Est-ce que Joseph pouvait se dire, est-ce que ça fait sens d'aller en Égypte? Il se disait, non, mais quand même, je peux aussi aller ailleurs. Mais il était en Égypte. Et Dieu a protégé le Christ et a protégé son projet. Et je crois que c'est important pour nous de nous approcher et d'écouter personnellement, pas seulement en tant qu'Église. Et si on prend le texte plus loin dans Luc 15, on revient là, il est parlé de trois paraboles où Jésus dit, « Si quelqu'un de vous a 100 brebis, qu'il y en a une qui se perd, une qui n'est pas là, je t'encourage à aller chercher cette brebis perdue. » Ensuite, il fait un autre exemple. « Si une femme qui a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, qu'elle va allumer une lampe, qu'elle va balayer sa maison et chercher jusqu'à ce qu'elle retrouve. » Moi, je crois qu'il y a une mobilisation qui se met en route. C'est que quand on voit ces textes, il est dit, si quelqu'un de vous, ce n'est pas marqué si le pasteur ou si l'équipe de leadership a 100 brebis, si quelqu'un de vous, je crois que chacun de nous, autour de nous, on a des gens qu'on est appelés à aller rechercher. Et je crois particulièrement dans cette saison où, dans un sens, on veut nous retenir, c'est important pour nous d'aller à la rencontre, d'aller vers les gens, d'aller chercher. Et je crois que le message du Christ, c'est comme s'il y a une mobilisation. Et le message de ce matin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu veut tous nous mobiliser. Nous mobiliser pour aller à la recherche, pour aller à la rencontre. Et je crois que les opportunités, ils sont peut-être comme jamais. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui est décentralisé. Jusqu'à présent, on avait toujours des rassemblements très faciles. Et maintenant, c'est comme si on a beaucoup de rassemblements. Dans chacune de vos maisons, même ce matin, il y a un rassemblement. Et je vous encourage à utiliser ces moments précieux où il y a des plus petits groupes, à créer des liens profonds. On peut être à 5, mais 5, on peut créer des liens profonds. On peut créer des petits rassemblements. Et je crois que Dieu veut utiliser et il veut mobiliser nos vies. Il veut nos responsabilités, il veut décentraliser, il veut multiplier et il veut le faire avec toi, aujourd'hui. Et je crois que le cœur du Père,
il est tellement là. Dans la ville où on a notre communauté, on a un ministère qui s'appelle Box Up, de la boxe contre le crime, et puis on donne aux jeunes l'occasion de faire de la boxe et puis de se défouler. Et jusqu'au mois de mars, on avait entre 30 et 50 personnes. Et on avait deux personnes qui pouvaient mener ce groupe, tellement le groupe était grand. Et puis, quand ça a fermé, ben voilà, comme tout le monde, on est resté à la maison. Mais au moment où on a pu rouvrir, tout à coup, il est dit, ben, on n'avait pas le droit de plus que 5 personnes. Alors on a dit, ben, on avait 2 coachs et puis on avait plein d'aides coachs. Et ça a donné l'opportunité aux aides coachs de prendre un groupe. Parce qu'au lieu d'avoir 30 personnes, il y en avait 4. Et c'est comme si, au travers de cette situation, les aides coachs sont devenus des coachs parce qu'ils ont commencé à 4, puis après tout à coup, ils pouvaient être 10. Donc, ils pouvaient cheminer. Et je crois que cette saison de mobilisation, de décentralisation, de multiplication, elle veut se faire avec vous. Et Dieu veut utiliser chacun de vous. Et je crois que la meilleure façon que tu as pour glorifier Dieu, c'est de ressembler à Jésus. Et de ressembler à Jésus, c'est de le suivre et de faire ce qu'on voit ici et ce qu'il dit de faire, d'aller à la recherche, d'être en mouvement. Et ce que je trouve magnifique, c'est que dans les 4 paraboles qu'on a, la première avec les brebis, quand il a trouvé la brebis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il est rentré à la maison, il a appelé ses amis, ses voisins, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul qui revient vers le Seigneur que pour les 99 autres. Ensuite, la femme, quand elle a trouvé sa pièce, il est dit, au moment où elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisines. Puis elle dit, réjouissez-vous avec moi, parce que la pièce que je l'avais perdue, je l'ai retrouvée. Et puis, un peu plus loin, il y a cette histoire du fils prodigue, du fils qui était parti. Tout le monde connaît. Le père, il a couru vers son jeune fils. Et puis il a dit, mais il faut faire une fête. La Bible nous dit, il fallait bien faire la fête. Il fallait nous réjouir, parce que mon frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Et je crois, c'est bizarre à dire, mais je crois que dans le ciel, à chaque fois qu'il y a des gens qui mettent leur vie en règle avec Dieu, il y a la fête. Et cette fête, elle vient dans nos cœurs. Et je crois que quand on va à la rencontre des gens, eh ben, nos vies peuvent être en fête. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir des gens être réconciliés avec le Père. Puis je crois qu'on connaît tous l'histoire du frère aîné parce qu'on voit bien qu'il faisait la fête à fond. Parce que la Bible nous dit que le frère aîné, il rentrait du champ et puis il nous dit que de loin, lorsqu'il revient, il approcha de la maison, donc il n'était pas encore à la maison, il est dit, il entendit la musique et les danses. Moi, je vous dis que quand on entend la danse, c'est qui danse? C'est que c'est la fête. Et je crois que dans un sens, à l'intérieur de nous, il doit y avoir une fête parce qu'actuellement, il y a quelque chose, Dieu est en train de toucher les cœurs. Les gens se posent des questions peut-être comme jamais. Il y a des opportunités de discuter peut-être comme jamais. Et je vous encourage à prendre cette opportunité et à réaliser, il y a quelque chose, il y a une fête, il y a quelque chose où on peut se réjouir malgré tout ce qui nous entoure. Et peut-être pour finir, quand on voit le fils aîné, il était frustré parce qu'il a dit, moi j'ai beaucoup travaillé, moi j'ai beaucoup donné. Moi je trouve que c'est difficile de voir cette injustice. Puis j'aimerais vous dire que le père, il dit, écoute, toi tu as toujours été avec moi. Mais surtout, il lui a dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Moi, la question que j'ai, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Dieu a tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et Dieu veut pourvoir. Peut-être tu as peur.
Peut-être que c'est limite financièrement. Peut-être que tu te dis, mais est-ce que je peux fonder une famille? Est-ce que je peux me marier? Peut-être que tu doutes. Parce que tout est là pour te faire douter. Mais j'aimerais te dire, les enfants de Dieu, Dieu ne les laisse pas tomber. Parce que tout ce qui est à Dieu est à toi. Et Dieu, il sait exactement ce que tu as besoin. J'ai 4 enfants. Avant d'avoir une famille, je n'étais même pas sûr de me dire, est-ce que je vais pouvoir être assez bon pour pourvoir pour une famille? Je n'ai jamais vu Dieu me lâcher. J'ai jamais vu Dieu ne pas prendre soin. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On voit, Dieu pourvoit, Dieu prend soin. Et j'aimerais que vous puissiez savoir qu'il y a la provision, particulièrement dans cette saison. Même si tu perds ton travail, tu n'as pas besoin d'un travail pour que Dieu puisse pourvoir. Dieu pourvoit à ses enfants parce que tout lui appartient. Ce que je t'invite, c'est de mettre ta vie en connexion avec lui. Ce que je t'invite, c'est tout d'abord ne pas regarder à la crise, mais regarder à la moisson. Ce que je t'invite, c'est pas seulement t'adapter à la situation, mais d'innover vers ce que Dieu est en train de faire. Ce que je t'invite, c'est t'approcher de Jésus, d'approcher du Père, de l'écouter et d'obéir. Et même si ça ne fait pas de sens, fais-le. Parce que Dieu, il peut tout faire. Ce que je t'invite, c'est être mobilisé, d'aller à la recherche de ce qui est perdu. Imaginez-vous le frère aîné, au lieu d'attendre et travailler simplement pour son père, s'il avait dit à son père, « Papa, je vais aller à la recherche de mon frère. » Le père l'aurait envoyé, l'aurait béni. Et puis il aurait trouvé son frère. Il l'aurait ramené à la maison, bras dessous, et il aurait fait la fête. Et il aurait pu se réjouir. Et il aurait pu tuer le veau gras. Et il aurait pu se réjouir avec ce que Dieu est en train de faire. Et j'aimerais vous dire, si ce matin tu as peur, si ce matin tu as des doutes, n'aie pas de doute, parce que Dieu va pourvoir. Je prie que tu sois mobilisé. Donc j'aimerais vous inviter à prier, et puis j'inviterai le groupe de louanges à venir. J'aimerais prier avec vous. Père, moi j'aimerais te prier pour chaque personne qui ce matin est devant son écran. Père, que tu puisses personnellement venir et que tu puisses personnellement dire à chacun que tu veux nous mobiliser. Tu veux nous mettre en route. Seigneur, si ce matin il y a des gens qui sont tellement pris par la crise, par la tourmente, je prie que tu leur permettes de donner la force de regarder vers la moisson et vers ce que toi tu es en train de faire. Qu'ils puissent percevoir tes projets. Je prie que ceux qui ont dû s'adapter et s'adapter et s'adapter et qui n'en peuvent plus de s'adapter, que Père, tu puisses les amener vers un esprit pionnier, vers un esprit de voir ce que toi tu veux faire maintenant, aujourd'hui. Père, que ta grâce vienne sur eux. Père, ce matin, on veut venir à ton écoute. On veut t'écouter comme ces gens qui suivaient Jésus et qui l'écoutaient. On ne veut pas juste écouter, mais on veut faire. Même si ça ne fait pas de sens. Même si ça semble un peu bizarre. Tu as multiplié. Tu as fait des miracles. Et à chaque fois, ça ne faisait pas tellement sens, mais tu l'as fait. Et aujourd'hui, c'est la saison où tu veux manifester ta gloire. Aujourd'hui est la saison où tu veux faire le surnaturel. Aujourd'hui est la saison où on ne veut pas être dépendant
de la logique humaine, mais on veut être dépendant de toi. Et Seigneur, si ces paraboles nous parlent d'aller à la recherche de cette brebis perdue, d'aller à la recherche de cette pièce perdue, d'aller à la recherche de ce fils perdu, je te demande qu'on puisse être en mouvement, qu'on puisse être apostolique, qu'on puisse aller à la rencontre des gens. Que ce matin, si on a eu peur de partir, qu'on a eu peur de sortir, qu'on s'est enfermé sur nous-mêmes, qu'on puisse tout à nouveau sortir, chercher. Et Père, ça fait tellement longtemps peut-être pour certains qu'ils n'ont plus pu faire la fête. Mais moi, je prie qu'on puisse faire la fête avec le ciel, avec ceux qui te trouvent, avec ceux qui te rencontrent. Il y a des gens aujourd'hui qui sont proches de chez toi, qui ont besoin que tu les écoutes. Et je sais que l'œuvre de l'Esprit fait quelque chose. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette saison, elle amène de la crainte, elle amène de la pression. Les fins de mois deviennent difficiles, les petits jobs sont inexistants ou difficiles à trouver. Mais Seigneur, moi je prie que comme Abraham, quand il est monté avec son fils Isaac, tu as pourvu sur la montagne de l'Éternel, tu as pourvu. Tu dis dans ta parole que tout ce qui est à toi est à nous, à tes enfants. Et Seigneur, moi je prie que ce matin tu touches et que chacun puisse être dans la confiance que tu ne vas pas les lâcher. Je bénis ton peuple, je bénis chaque maison, je bénis chaque famille et je prie que ta faveur et ta mobilisation puissent se mettre en route. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci. Tu es fidèle.
toujours près de moi. Thank you.
sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Yes, c'est super tout ce qu'on a pu vivre durant cette célébration. J'espère que ça t'a travaillé, que ça t'a challengé et que tu vas pouvoir y repenser cette semaine et le mettre en pratique. Je suis là pour te donner quelques annonces. En tout, il y en a deux, donc ça va être court. Pour tout ce que je vais dire, tout va être dans les liens en description sous la vidéo. Donc ne t'en fais pas, si tu es un peu perdu, tu peux y retourner. Voilà, sous la vidéo, tout sera indiqué. Ma première annonce, ça concerne le Welcome Point. Donc si tu es nouveau, que tu as des questions, que tu as envie de rencontrer quelqu'un, n'hésite pas à cliquer sur ce lien du Welcome Point. On se fera un plaisir de pouvoir répondre à tes questions et de pouvoir en fait aussi te rencontrer. Donc le Welcome Point, le lien est sous la vidéo. Deuxième annonce, c'est concernant la prière. Si tu as envie qu'on prie pour toi, tu as deux possibilités. La première, c'est qu'on prie pour toi directement. Et pour ça, tu as un code QR qui s'affiche juste à côté de moi que tu vas pouvoir scanner et des gens de Home seront à disposition pour toi, pour prier pour toi directement maintenant, juste après la fin des annonces. Une deuxième possibilité, c'est simplement que tu remplisses ce deuxième code QR qui s'affiche à côté de moi. Et là, en fait, tu vas pouvoir donner ton sujet. Et des gens, durant cette semaine, vont vraiment être attentifs à prier pour le sujet que tu nous as donné. Alors voilà, c'était les deux annonces. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très très bon dimanche. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle célébration. À bientôt !